Donc, nous sommes dans le jeu Chrono Trigger pour vous montrer un peu comment fonctionnent les jeux. Donc, on commence un jeu. Et voilà. Je suis maintenant démarré dans le jeu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un save state parce que c'est là que je suis rendu. Vous pouvez sauver n'importe où dans les jeux. Donc, pour les jeux de Nintendo ordinaire NES, c'est extrêmement pratique vu qu'il n'y avait pas vraiment de sauvegarde interne. Donc, vous pouvez faire un save state. Vous voyez en bas, c'est marqué save state au 0. Vous pouvez enregistrer autant de save state que vous voulez. C'est assez illimité. Donc, vous pouvez faire plusieurs sauvegardes pour le même jeu. Sauver à plusieurs endroits. Donc, nous avons sauvé tout à l'heure. Disons que je veux revenir. Attends, on est rendu à cet endroit d'animation. Moi, je veux recommencer. Et voilà, j'ai fait load et nous sommes de retour. Si vous activez les menus avancés dans le menu ici, on va le trouver. Donc, dans les menus avancés, Show Advanced Settings, vous allez avoir deux autres options lorsque vous allez être dans les jeux qui vont être. Ça sera pas long. Quand vous. Ça peut être bien quand même. Quand vous êtes perdu, vous avez le Quick Menu qui est toujours, toujours, toujours au début ici, qui vous permet de retourner au menu. Donc, vous voyez ici maintenant, on a Unload, Low State et Undo. Excusez, Undo, Low State et Undo, Save State. Donc, ces deux options-là, c'est vraiment pour effacer. Donc, vous avez fait un Load State puis vous ne vouliez pas. Ou vous avez sauvé par-dessus votre version de votre sauvegarde et vous ne vouliez pas non plus. Donc, vous pouvez faire des Undo. Et ça va fonctionner. Aussi, en accédant les Advanced Menus, ça permet d'avoir les cheats. Vous pouvez mettre des cheats là-dedans avec des fichiers. Je n'ai jamais fait. Ça fonctionne, mais pourquoi pas jouer. Déjà que je trouve que Low State Save State, c'est quand même un certain cheat, mais c'est toujours agréable.